comme d'habitude, je vous fais un petit retour de course de Asia Store. On commence par mes nouilles favorites. Je vous assure que ça, ce sont les meilleures nouilles de Asia Store. En fait, il y a plusieurs Samyang, la marque s'appelle comme ça, Samyang. Il y a plusieurs sortes de nouilles Samyang. Mais pour moi, les roses là, ceux-là, c'est ceux qui ont un meilleur goût. Si vous avez l'occasion de goûter ces nouilles-là, je vous assure que pour moi, c'est un 100 sur 100, un 20 sur 20, comme vous voulez. J'en ai pris plusieurs en boîte où tu peux les consommer directement dans leur pot. Et j'ai aussi pris la version packaging avec 5 paquets à l'intérieur. Donc c'est super bien parce que les nouilles sont halal. Je sais pas si des personnes se demandaient si c'était halal. J'ai fait mon stock carrément. Ensuite, on va passer à mon thé préféré de Asia Store. Mais je vous assure que c'était là. C'est des thés vraiment pas sucrés. Packaging bleu, je crois qu'ils sont au gingembre et au citron. C'est ce qui est écrit dessus, il me semble, en anglais. Mais c'était là. Je les prends même pour mes parents, donc ils sont trop bons. Ça, c'est un peu l'équivalent de mon Monster, parce que je bois pas du tout de boisson gazeuse et ça, ça fait la différence. En fait, la marque Poca, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils font que des pépites. Ensuite, j'ai voulu tester les boissons au lait de Poca, mais je voulais tester le lait au melon et le lait à la fraise de la marque Poca. Poca, je sais que c'est une très bonne marque parce que j'ai déjà l'habitude de boire les thés. J'ai pas encore eu l'occasion de goûter les différents types de lait de la marque Poca. Ensuite, à la caisse, la dame, elle a réussi à me faire vendre les paires de baguettes. Il faut savoir que moi, j'achète souvent les baguettes en bois et c'est pas du tout... c'est quoi le mot que je cherche? Écologique? Enfin... En gros, avec ces baguettes-là, comme elles sont réutilisables, je gaspille moins. Donc, elle a réussi à me faire vendre ça, sachant qu'en fait, c'était le Black Friday à Asia Store. J'ai eu moins 10% sur la moitié des produits que je vous présente. Il y a 5 paires de baguettes, donc il y en a 10 au total. Ensuite, j'avais des remords d'acheter plein de cochonneries, donc j'ai acheté des bouteilles d'eau pour la conscience, tu connais. J'ai pris les perles de tapioca que j'ai l'habitude de prendre pour faire mes bubble tea, etc. Ça fait longtemps quand même que j'en avais pas pris. Avec le taf, je pars de moins en moins au bubble tea. Ensuite, encore une fois, grignotage, tu connais. Ça aussi, ce sont aussi mes chips préférés, des chips aux crevettes. Donc voilà tout ce que j'ai pris à Asia Store. Parce que j'ai cru que t'étais dedans. Mais ils ont fait vite ta commande parce que du coup il n'y avait pas du monde. T'es trop belle. Oh, merci. Mais la Golden Hour, elle te fait grave un glow, une skincare. La transpiration. On va au fond de mer. Pour la suite du vlog, j'ai décidé de vous partager une grande thématique pour ce vlog du mois de novembre. J'ai décidé de vous parler un peu de mon organisation sur YouTube et de la création de contenu que je fais autour de ça. J'avais déjà essayé de faire ça pour le mois de septembre, mais j'ai pas pu récupérer les rushs sur mon disque dur. Donc je réitère le concept encore une fois pour vous expliquer cette fois-ci tout le processus. J'ai séparé le contenu que je fais en deux phases, donc la production et l'édition. La première chose que je fais par rapport à YouTube ou même sur les réseaux sociaux, c'est me prendre en photo. Donc prendre en photo mes looks, ça peut me servir pour faire des vidéos du style challenge, création de look, ou même alimenter mon fil Insta, ou même parfois ça peut aussi m'aider pour les miniatures. Donc je sélectionne des looks qui me plaisent et qui bien sûr me font écho et que j'aime beaucoup. Pour vous montrer tout ça, j'ai décidé de vous filmer une journée avec moi. Donc c'est parti.
Demain, samedi 13 novembre, j'ai un shooting de plusieurs tenues que je voulais vous montrer, que je comptais ramener pour ce shooting. Parce que comme je vous ai déjà montré un peu ma routine d'octobre, entre temps ça ne change pas. Dans ce vlog là, j'ai décidé un peu de vous montrer justement qu'est-ce que je fais par rapport à YouTube. J'essaye de poster des looks sur mon compte Instagram. D'ailleurs, je vais augmenter la luminosité. J'ai augmenté la luminosité, je ne sais pas si vous voyez correctement. J'ai décidé de shooter 3 tenues. Donc cette première tenue là en fait, qui est pour une vidéo où je reproduis des looks. En fait, j'hésitais entre ces deux chaînes et comme paire de lunettes, j'ai choisi celle-ci. Bien sûr, comme je suis un peu pointilleuse, j'ai même du coup choisi ma coque de téléphone One Piece. Donc pour le premier look où je reproduis une tenue, en fait, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je reproduis les looks de Yanissa. Donc je vous la mettrai dans le petit i. J'ai décidé de poursuivre cette série de vidéos et continuer à shooter d'autres looks en attendant. Ensuite, ça c'est la tenue que je vais porter sur moi demain, un crop top, col V, un petit jogging bandana que je vous avais montré dans une de mes vidéos haul. Je vous la mettrai aussi dans le petit i. Je l'ai raccourci chez le couturier et normalement tout est ok. Ensuite, au niveau des accessoires, donc il y aura la paire de lunettes, mon petit collier préféré que je saigne de ouf et ma petite coque un peu transparente comme ceci. Pour le troisième look, cette fois-ci c'est un look en costume, donc c'est un pantalon tailleur, une veste, j'aurais plus dit un blazer très oversize que je voulais shooter. Et en fait j'hésite entre un petit corset pour resserrer et recentrer ma taille ou une petite ceinture qui se noue comme ça. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Dans tous les looks, vous verrez que je suis une fan incontesté de paire de lunettes. Il me fallait aussi une petite paire de lunettes noires qu'il faut que je nettoie avec une petite lingette parce que c'est dégueulasse. Et avec une petite coque noire pour aller avec la tenue. Normalement, si tout se passe bien, je dois shooter justement ces 3 tenues demain. Je vous ramène avec moi, voilà, pour la suite de la vidéo. Donc rendez-vous dans quelques secondes pour vous. Donc là, on est toujours à la fac et j'ai fini de shooter la seconde tenue. Franchement, je suis super super fan de ce look, donc peut-être que je vous le posterai sur Insta. Enfin, c'est pas peut-être, je vous le posterai. Toutes ces photos qu'on a shootées aujourd'hui, pour au final, n'en poste que 2-3. Hey, comment ça va? Aujourd'hui, c'est moi qui vlog. Enfin, c'est moi qui suis derrière la caméra. Là, elle est partie changer pour son troisième look. Ses affaires sont là. Je suis en train de l'attendre. Et on va voir si... Oh, c'est compliqué de vlogger. On va voir si elle sera satisfaite de son look parce que la veste est un peu trop grande pour elle, elle m'a dit. Donc, on va voir ça. Voilà, c'est tout. Madame la Présidente, Madame la Présidente. Now, now. Mon mari ne répond pas à des questions politiques, encore de la politique. This is my outfit of today. For today. If you don't like it, you could leave. Ok, love you. Nous sommes sur une fin de shooting. Bah, on est grave à contre-jour. Mais j'ai fait toutes mes photos. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux. C'était dur, mais j'ai fait toutes mes photos. J'ai mal au ventre parce que le pantalon me serre. Mais c'est parce que j'ai pris du poids. Allez, on se retrouve. Pour la seconde partie, j'ai choisi comme support ma dernière vidéo face cam. Donc, je teste les compléments alimentaires de l'Achille Beauty, la cure de 6 mois. Premièrement, il faut savoir que du coup, j'ai dû mettre mon ordinateur à jour, ce qui était déjà très difficile à faire. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur ne voulait pas mettre la mise à jour ou parfois ça buguait. Donc il faut savoir que j'ai commencé la mise à jour à 11h du matin et j'ai fini à 1h du mat du lendemain.
Une fois mon ordinateur à jour, il faut savoir qu'il ne me restait pas beaucoup d'espace de stockage. Donc, je n'ai pas pu récupérer tout ce qui dit tournage de la vidéo La Chilée, sachant que c'était une vidéo sur 6 mois. Ça me demandait énormément de rush. Du coup, j'ai préféré abandonner. Déjà, si vous souhaitez voir la vidéo, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Je vous mets la vidéo dans le petit i. Là, on va vraiment passer à la seconde phase, donc l'édition. Avant de commencer le montage de ma vidéo YouTube, je commence déjà à réfléchir en fait sur les miniatures. Comment je vais procéder, qu'est-ce que je vais mettre dans ma vidéo en amont. Pour cette miniature-là, j'avais 6 mois pour réfléchir parce que voilà, c'était une vidéo sur 6 mois. J'ai décidé de vous montrer comment je fais ma miniature. Alors, je fais ma miniature sur le logiciel Canva. Donc, il est disponible sur l'ordinateur et il est gratuit. Et il y a beaucoup de choses qui sont gratuites dedans. En ce qui concerne la miniature, j'ai décidé de prendre les boîtes des compléments alimentaires, de les multiplier et les mettre en fond sur la miniature. Pour entrer dans le thème de ma vidéo, j'ai décidé de créer des petites bulles en mettant avant, après. J'ai un petit peu honte parfois quand je me mets comme ça en avant, mais comme c'est une miniature, c'est pas la chose que vous allez voir en cliquant sur la vidéo, mais le contenu de la vidéo. J'ai aussi testé d'autres miniatures pour cette vidéo-là, mais j'ai préféré la première miniature que j'avais faite. Je trouve qu'elle était super bien travaillée et que je me suis grave améliorée en ce qui concerne les miniatures. Et ensuite, j'ai décidé de m'attaquer au contenu de la vidéo. Donc, j'ai préparé les petits textes qu'il y avait en amont à faire sur la vidéo. Ça m'a pris aller à peu près 30 minutes, le temps de reprendre pour moi toutes les mesures que j'avais faites, le temps de refaire le tableau. Ensuite, en ce qui concerne le montage, alors cette fois-ci, le montage, il m'a pris un mois parce que comme je travaille à côté et que je galérais déjà à mettre les rushs sur mon ordinateur, c'était vraiment difficile parce que du coup j'ai dû commencer le montage, puis l'enlever de mon ordinateur, puis remettre la mise à jour et remettre le montage que j'avais fait, récupérer les rushs sur une clé USB, enfin bref, tout ça, ça m'a pris un mois. Je voulais pas que ça soit une vidéo longue, j'avais dit maximum 30 minutes. Si vous avez vu la vidéo, elle dure 41 minutes environ. Donc, j'ai pas pu respecter tout ça parce que déjà que j'ai choisi vraiment les étapes les plus importantes, je pouvais pas m'autoriser à enlever plus parce que je voulais que la vidéo soit claire, concise et en même temps complète. Une fois le montage terminé, une fois aussi la miniature faite, j'exporte ma vidéo en fait sur mon compte YouTube. L'exportation au total m'a pris 2 heures. Ensuite, j'ai complété la barre d'infos, remis le titre et ensuite j'ai mis en barre d'infos toutes les informations nécessaires pour la vidéo et j'ai complété tout ce que je devais compléter dans la barre d'infos. Donc ça aussi c'est super long, c'est très important de le faire. Par exemple, si je parle d'une référence, je le mets en barre d'infos. Si je parle d'un moment en particulier dans la vidéo, je mets la minute précise et j'exporte aussi la miniature. Voilà tout ce que je fais par rapport à YouTube. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc on passe à la suite du vlog. Bon, je me suis posée par terre dans ma chambre. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à la caméra, j'ai l'impression que ma voix est trop bizarre. Je sais pas pourquoi je parle doucement, je pense parce qu'on est presque minuit comme ça. Là, je sais pas combien de batterie il me reste. J'ai l'impression que la luminosité est hyper... je sais pas, je suis pas satisfaite. Là, je voulais un peu discuter avec vous, vous montrer quelques petits trucs que j'avais achetés, etc. et tout. Donc... sans plus tarder, on commence, sinon la vidéo va être trop longue. Sur AliExpress, j'avais pris un t-shirt qu'on va déballer ensemble. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas l'ASMR, moi aussi j'aime pas l'ASMR. C'est un t-shirt, je me souviens bien, imprimé un peu du style graphique avec le chanteur Tupac, je crois, si c'est bien. Oui, c'est bien celui-là. Faut savoir que Tupac, genre, j'ai commencé à écouter ses musiques récemment. C'est à cause d'une amie, là, elle m'a fait découvrir le chanteur, même si paix à son âme. Le t-shirt, il se présente comme ceci. Et je l'ai pris en double XL. Donc, la qualité est super. Et pour tout ce qui dit l'imprimé, il est de super bonne qualité. La luminosité est trop bizarre, mais voilà. Donc, on passe à l'article suivant. Pour mon ordinateur, j'ai commandé une nouvelle coque. Faut savoir que les coques Apple, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et là, en fait, j'ai profité de la commande que j'ai faite. J'aime pas trop la luminosité. J'espère que je vais poster la vidéo parce que la luminosité me plaît pas du tout. J'ai la flemme d'aller allumer ma ring light. Et j'ai l'impression que j'ai pas dormi depuis des jours. Enfin bref,
La coque, elle est comme ça. Je vous mettrai une photo de la coque. On va changer la coque de mon ordinateur. Comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Mon ancienne coque était comme ça. Et ici, c'était un peu fissuré. Donc, parfois, mon Mac, il se prenait aussi quelques petits coups ici. On va enlever la coque ensemble. Donc, ça ressemble à ça. Et derrière aussi, il y a une coque qu'on va enlever ensemble. Ça s'enlève super facilement. Franchement, si vous avez des appareils Apple, vous comprenez. C'est super, super fragile et il faut faire très bien attention. L'ordinateur sans coque ressemble à ça. Et avec la coque que je vais ouvrir avec ça. Le dessous est un peu transparent. Je pensais pas que c'était transparent comme ça. Je veux dire, le truc s'est pas brisé entre temps. C'est comme si ça se clipsait en fait. Voilà ce que ça donne. La coque est comme ça. Je la trouve très belle. J'ai l'impression que la caméra la fait pas franchement honneur. Mais la coque en soi est magnifique. J'aime trop. Après, je suis pas fan du derrière. Mais c'est pas ce qu'on voit. Donc voilà, on s'en fout. Voilà pour mon Mac. La luminosité, mais oh là là. Là, je vais vous montrer ma petite commande ASOS. Sachant qu'il me reste un article que ma pote a pas pu m'envoyer. Parce que j'avais commandé séparément. On va commencer par un ensemble de jogging. C'est un t-shirt Nike. Donc avec la petite virgule au milieu ici. En fait sur ASOS, tellement j'ai l'habitude de commander sur des sites asiatiques que j'ai l'impression que j'oublie ma taille dans les sites non asiatiques. Donc parfois ça m'arrive de prendre des trucs en double XL et que le truc il vient commun. Et j'ai pris aussi un jogging. J'essaierai de vous mettre une photo juste ici de l'ensemble parce que du coup je l'ai déjà porté mais là je l'ai relavé tout ça. J'ai pris aussi le jogging en... C'est une fois XL ou XL? De toute façon je vous mettrai aussi la taille ici si je me trompe. La petite virgule juste en bas. Il est hyper long, il est très grand. Mais je trouve que comme c'est un truc oversize et tout, ça passe crème. Enfin il est élastique, il est pas cintré. Si j'avais pris une taille au dessus ça aurait été parfait. J'aime bien l'effet un peu oversize que ça donne sur moi. C'est un ensemble que je voulais depuis super longtemps et qui était dans ma wishlist. Mais vous savez ASOS parfois quand il y a les soldes, parce que moi je commande pas sur ASOS quand il y a pas les soldes. Je commande vraiment sur ASOS quand il y a vraiment moins 20%, etc. Et pour l'article, je vais pas vous présenter ici. En fait, il s'agit aussi du pull. En fait, je voulais le complet. C'est un pull aussi que j'ai pris, je crois, en double XL. De toute façon, si je le porte, vous verrez une photo sur mon compte Instagram. Je vais vous montrer un petit t-shirt Collusion. En fait, il faut savoir que sur ASOS, Collusion, c'est ma marque préférée. J'ai pris un t-shirt blanc en double XL où c'est écrit Collusion, encore une fois. Il est hyper oversize parce que le double XL taille française et le double XL asiatique, ça n'a rien à voir. Il est hyper grand, mais après moi mon truc c'est les trucs oversize, donc je regrette pas du tout. Ensuite, toujours en promotion, j'ai préféré prendre un petit gilet sans manches, des petits gilets. En fait, il faut savoir qu'à La Réunion, on est en été austral, donc il fait chaud. Mais en même temps, il y a beaucoup de... Comment on dit? Intempéries? Non. Il y a beaucoup de vent. J'ai pris un petit gilet toujours de la marque Collusion. J'ai pas remarqué mais j'aime trop cette marque. Sur le côté c'est brodé Collusion. Et voilà, moi ce que j'aime bien c'est que du coup comme j'ai un petit buste et voilà je suis pas très grande, du coup les vêtements parfois même quand c'est surtaillé, ben ce gilet sans manches me fait des manches sans pour autant que ça soit débardeur. C'est ce que j'aime bien. Parfois je les surtaille pour qu'en fait ils posent bien aussi sur mes épaules. Ça me fait comme si c'était un t-shirt. Et bien sûr j'étais obligée de faire un tour chez les hommes. J'ai profité pour prendre une chemise un peu estivale. En tout cas c'est une chemise colorée quoi. Une chemise pastel que j'ai pris en XL de la marque Pull&Bear. La chemise est super froissée, je m'en excuse. Je ne l'ai pas encore portée, donc si vous voulez vraiment voir les vêtements portés ou que je ne vous mets pas la photo juste à côté, allez-y sur mon compte Instagram. Généralement, je poste tous mes looks, enfin j'essaye du moins de poster plus souvent mes looks, que ce soit parfois en story ou en post, pour voir un peu comment ça rend sur moi. Je ne me rappelle pas de ça... Ah si, je me rappelle maintenant. Donc j'ai pris aussi un t-shirt de la marque ASOS Design, donc la marque de ASOS. Un t-shirt blanc, on s'est écrit la catégorie curve mais c'est pas écrit la taille. Je suis vraiment désolée, la focus était partie. Je disais que j'ai pris un t-shirt comme ça. Je suis pas fan des t-shirts avec beaucoup d'imprimés devant parce que je trouve que j'ai une forte poitrine, j'ai un petit bide et ça fait qu'amplifier tout ça. Parfois je fais des exceptions pour des t-shirts que j'aime bien et je vais pas pour autant m'empêcher de vivre parce que un vêtement ne me met pas en valeur. Je porte vraiment un vêtement parce que je me sens à l'aise dedans. Donc si c'est le cas pour celui-là, c'est le cas pour celui-là et c'est pour ça que je l'ai pris. C'est tout ce que j'ai à vous montrer de la marque ASOS et j'attends bien sûr mon pull qui j'espère sera livré pour mon anniversaire. On va passer à tout ce qui dit thé. Première chose que j'ai à vous montrer,
un maté que j'ai pris dans un magasin qui s'appelle Herbier Déco. Donc c'est un maté aux fruits rouges. Dommage que vous pouvez pas se sentir. Alors le maté, c'est pas du thé, mais c'est considéré comme une infusion. Mais ça a le goût du thé. Ah, je m'explique super mal, le maté c'est super bon. Franchement je vous recommande d'en boire parce qu'il y a beaucoup déjà de bienfaits et de vertus par rapport au maté. Et le maté il est fort. Si vous voulez vraiment commencer à boire du maté, moi le maté que j'ai pris là c'est le maté aux fruits rouges. Si vous voulez pas commencer par quelque chose de fort, prenez justement des matés avec des parfums et des saveurs qui vous plaisent ou qu'il y a en magasin. Moi je l'ai pris chez l'Herbier Déco, donc c'est un magasin de thé tout ça qui se situe pas très loin de la cathédrale à Saint-Denis. Dommage que vous pouvez pas sentir, mais même à l'extérieur ils sont trop bons. D'ailleurs je l'ai pas encore ouvert parce que du coup je dois terminer d'autres infusions et d'autres thés que j'ai. Voilà pour ça. D'ailleurs j'en perds un peu là. Je vais vous montrer du matcha. Déjà je comprends pas d'où vient l'effet de mode. Moi j'ai commencé à boire du matcha depuis le collège hein, parce que j'avais découvert tout ce qui dit bubble tea, tout ça. Pour ceux qui ne savent pas, le matcha c'est une poudre de thé qui a un goût assez unique parce que c'est du matcha. Bah ouais, logique. En fait le goût est particulier, faut vraiment aimer. En fait soit tu aimes, soit tu aimes pas. Vous pouvez le boire justement soit avec du lait de vache, du lait de soja, du lait de coco. Il est fort, j'ai jamais vu quelqu'un boire du matcha sans... sans le diluer dans un mélange. Là je vais vous présenter différents types de matcha parce que il y a une story time. Je buvais toujours du matcha quand j'allais au bubble tea, mais je n'avais pas de matcha chez moi parce que je n'avais pas de fouet et je n'avais pas de quoi justement faire du matcha. Donc j'en buvais au bubble tea, mais avec le travail que j'ai pris, j'avais moins le temps pour moi et moins le temps d'aller au bubble tea. J'ai commencé à vouloir acheter du matcha, me procurer du matcha, et je vais vous montrer dans l'ordre. Donc c'est un matcha qui vient de La Vie Éclair, les bio. J'ai fait un petit reels dessus si vous voulez voir comment je prépare mon matcha. Je vous mets le reels juste ici. N'hésitez pas à me suivre sur Insta ou n'hésitez pas à aller voir le réel sur Instagram pour voir comment je le fais. J'avais perdu le packaging parce qu'il est super fin. Tout ce qui concerne le grammage du matcha, on n'en vend pas vraiment en grosse quantité. Je l'avais mis dans ma cuisine, mais ma mère elle range énormément la cuisine. Elle change souvent d'emplacement les trucs et tout, et moi je pensais qu'elle l'avait jeté, ce qui fait que je me suis rabattue sur un matcha de Asia Store. Donc ce matcha-ci, pour quelqu'un qui aime le matcha, qui connaît un peu le goût du matcha, je vous le recommande pas. Par exemple, si ok vous n'avez jamais goûté le matcha et que vous voulez goûter pour la première fois, je trouve que c'est du matcha de pas très bonne qualité. Après il est abordable, il est vendu à Asia Store. Celui-là il est pas ouf d'ailleurs, mais il m'en reste juste un peu, donc je vais pas le jeter, je vais le boire quand même. Une amie à moi m'a conseillé Kusmi Tea, d'aller acheter du matcha là-bas. Donc le matcha de Kusmi il se présente comme ceci. Celui-là il est aussi super bon, mais je trouve que le meilleur matcha que j'ai goûté c'est le matcha de La Vie Éclair. Donc si je dois classer le matcha du plus mauvais au plus bon, je dirais que celui-là il est pas terrible. Ensuite celui-là il est super bon. Vous pouvez commencer vraiment si vous cherchez du bon matcha, celui-là il fait nettement l'affaire, mais il est plus cher. Et pour moi le meilleur matcha ça restera le matcha de La Vie Éclair. Le prix est grave abordable, celui-ci il est plus cher. D'ailleurs le matcha coûte cher. C'est un investissement de boire quelque chose de bon qui est bon pour la santé, mais la santé n'a pas de prix. Je vais vous parler des livres que j'ai lus dernièrement. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai vraiment appris à parler français en lisant énormément de livres. J'ai toujours aimé lire. En fait j'aime pas acheter des bouquins parce que je sais pas, le fait de les lire qu'une seule fois, à part vraiment si c'est un bouquin que t'aimes bien, que tu kiffes et que tu comptes le relire, mais moi acheter les bouquins pour le lire une fois et ensuite plus jamais y retoucher, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc je lis vraiment beaucoup sur soit Wattpad ou soit je télécharge les livres directement en ligne. Je m'attache pas en fait aux livres physiques, mais là j'en avais et que j'avais fait aussi certaines brocantes et tout, j'avais eu l'occasion de lire des livres physiques, et en même temps ça me permet d'avoir moins de temps d'écran sur mon téléphone. Là je vais vous présenter quelques livres. Donc on va commencer par le premier livre. On va faire de celui que j'ai vraiment beaucoup aimé à celui que j'ai moins aimé. Je vais vous parler de Monsieur de E.L. James. Je sais pas du tout comment ça se prononce son nom. Le livre est comme ça. Si une amie à moi me l'avait pas conseillé, je l'aurais pas lu parce que vous voyez la première de couverture. Si vous êtes vraiment passionné de livres, vous passez toutes les couvertures, parce que parfois il y a des couvertures, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la personne.
Trop, c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Si vous passez au-dessus de tout ça, vous pouvez découvrir des romans magnifiques, dont celui-là. Je sais du tout pas comment prononcer le prénom de cette autrice, vraiment j'espère qu'elle va pas me taper. Mais je pense pas qu'elle regardera cette vidéo un jour. C'est un livre que j'avais commencé à lire justement sur mon téléphone et une amie à moi me l'a prêté. Donc j'ai pu le terminer en format papier. Ça me fait trop bizarre de parler de livres parce que du coup je suis pas à l'aise vu que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Parce que je fais souvent des vidéos un peu redondantes, genre du style haul, vlog. Je suis un peu timide là parce que je parle rarement de livres. Comme tous les livres que je vais vous présenter, je vais vous faire un résumé et je vais vous donner mon avis. Donc Monsieur, c'est l'histoire de Maxime qui il est dans une période pas très cool de sa vie. Il vient de perdre son frère, il est dans une mauvaise passe et il va se retrouver en fait à la tête d'un héritage familial qui demande énormément de responsabilités vu que ça sera vraiment l'héritier de la famille. Lui vraiment il s'attendait pas à ça et voilà, Maxime, pour noyer son chagrin, il enchaîne les conquêtes, vous voyez ce que je veux dire par là. Il est vraiment au fond du gouffre, si je peux dire ça comme ça. J'ai envie en même temps de vous donner mon avis, mais vas-y, il faut que je fasse étape par étape. Et un jour, sa femme de ménage de longue date va être remplacée par une jeune femme qui s'appelle Alicia. Alicia, elle, de son côté, elle est venue vivre en Angleterre, à Londres, particulièrement parce qu'en fait, elle aspire à une meilleure vie, elle n'était pas dans une bonne situation. Et par-dessus tout, Alicia est en cavale. C'est aussi un peu l'intrigue de ce roman. Je pense que vous l'aurez remarqué, c'est une romance. Et la romance entre les deux personnages est juste incroyable parce qu'on a du coup les deux points de vue et ça c'est super important dans les romans d'avoir les ressentis et les sentiments des deux personnages. Ça c'est ce qui me plaît. Rajouter à ça la plume de l'auteur qui rend vraiment la romance hyper captivante. Mais je vous accorde vraiment le fait que ça soit un peu une romance cliché, voilà, sur les classes sociaux, un homme riche, une fille pauvre. Ce roman là si je devais le noter, je le mettrais 10 sur 10. Mon avis par rapport à cette histoire, même si j'ai commencé à le donner, en ce qui concerne les personnages, Maxime, c'est le genre de personnage que tu n'apprécies pas dès le début du roman, mais au fur et à mesure que l'histoire avance, quand tu apprends vraiment à le connaître et à le découvrir, ça devient un personnage attachant. Donc j'aime beaucoup ce genre de roman où tu apprends à aimer un personnage qu'au début tu n'appréciais pas. Et point négatif, au début du roman je trouve qu'il y a un peu de longueur, c'est-à-dire que l'histoire prend un peu du temps à se mettre en place parce que parfois ils sont dans limite la même pièce mais ils ne se croisent pas. C'est digne d'un drama, c'est digne d'un drama coréen parce que je vous assure que... Trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Et je trouve que c'était un peu long et quand enfin ils se rencontrent, on se disait mais... C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on attendait tous, les premières impressions, tout ça. Donc voilà, un petit peu de longueur au début, mais par rapport à la fin, vraiment, j'étais surprise parce que du coup, à la fin, il y a beaucoup d'action. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura un tome 2 de prévu. C'est un peu, pas une fin ouverte, mais la fin est superbe. Je pense pas que cette autrice-là a prévu un tome 2. Il faut savoir qu'il y a une adaptation du roman qui aura bientôt lieu. Et j'ai aussi appris que le roman va être adapté en film. Donc j'ai trop hâte aussi de le voir parce que, je sais pas, ça fait un truc quand vous avez lu le livre et ensuite vous voyez le film, donc vous connaissez un peu les détails en soum-soum qu'il n'y aura pas peut-être dans le film ou qu'il y a dans le film et qu'ils ont fait attention dans le livre. J'ai vraiment trop hâte de voir le film. L'autrice en fait c'est celle qui a écrit la saga 50 nuances de Grey. Si je m'étais basée sur les commentaires du livre sur internet, je l'aurais pas lu. Il y avait beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ce livre parce que du coup comme tout le monde s'est dit que c'est l'autrice de 50 nuances de Grey, le livre serait un peu du même genre. Alors là, pas du tout. Ce qui m'a fait encore plus apprécier ma lecture, de sortir de ce côté, de ce genre-là, avoir un peu une romance un peu plus soft, même si, c'est quand même un livre spicy. Je trouve ça un peu triste toujours d'assimiler un genre à un auteur, parce que quand un auteur veut justement écrire autre chose, ses premières œuvres sont toujours ancrées, ça va la suivre toute sa vie, mais je trouve que ça justifie pas de tout le temps lui reprocher de vouloir écrire d'autres choses. Par exemple, demain, si elle veut complètement changer de style, elle aura toujours justement des commentaires négatifs en lui disant non mais j'aurais préféré 50 nuances, non mais 50 nuances c'était mieux. Vous voyez, c'est un peu difficile d'être auteur autrice, surtout quand on écrit des livres à succès, on aura tendance à toujours comparer ton best-seller,
ton livre que voilà qui a beaucoup percé à des livres justement qui ont le lisent parce que du coup c'est du même auteur mais du coup ils vont toujours comparer. Je trouve ça bien de toucher un peu de tout, d'aborder un peu de tout et surtout de pas se cantonner. Je pense que c'est cantonner à un genre et un style défini. Je trouve que bah, elle a une belle plume en fait, cette autrice là. J'ai lu le tome 1 de 50 nuances de Grey et je préfère Monsieur. Si j'ai une romance à vous conseiller dans cette vidéo là, c'est Monsieur. Et d'ailleurs, bah, j'ai trop hâte de voir le film. Donc on va passer à la seconde romance que j'ai aimée. On est sur un livre où il y a bien sûr deux histoires. Donc c'est des éditions Harlequin. C'est de la série Les Hommes de Loi. Donc il y a deux histoires mais je vais vous parler que d'une seule histoire. Bah, parce que c'est l'histoire que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de L'Instinct de Protection de Barb Hahn. Je sais pas comment on le prononce. Je vous mets le livre comme ça. En ce qui concerne ce livre, donc c'est l'histoire de Ella qui... j'ai l'impression que je lis que des livres comme ça. Elle vient de perdre... un membre de sa famille, plus particulièrement son père. Ça me fait penser à Monsieur, du coup, lui, il a perdu son frère, elle a perdu son père, bref, c'est un peu des livres, un peu, ça commence dramatiquement. Donc je disais qu'elle a perdu son père. Son père, c'était pas le boulanger d'à côté. Je n'ai rien contre les boulangers. Venez pas attraper mon col sur Twitter ou sur n'importe quel réseau social. C'était quelqu'un qui était dans des affaires. Des affaires un peu, vous voyez... style mafia. C'est quelqu'un qui a une immense fortune et qui fait des affaires voilà, qui sont pas très légales. Quand son père est décédé, l'affaire va être ultra médiatisée parce que c'était un homme important. Elle va être aussi le centre d'intention et d'intérêt et là en fait elle déteste ça. Elle va décider de faire un break, c'est-à-dire vraiment de se couper de tout, de partir. Elle va décider d'aller faire une randonnée dans les terres de son père. Donc clairement elle avait besoin de ça, d'être toute seule, d'être dans son petit coin en fait, d'être dans sa bulle. Malheureusement, Ella va faire une chute et Ella va se blesser. Et quand elle va se réveiller auprès d'un homme qui s'appelle Holden. Je sais pas si je prononce bien son prénom, mais je vous l'écrirai si... je le prononce mal. Holden, il va être vraiment cash avec elle et il va lui dire clairement les choses. Holden va lui révéler qu'elle n'a pas fait un accident et que quelqu'un a voulu la tuer volontairement. Et là, elle est un peu prise de court, mais en même temps, elle analyse très rapidement la situation. Son père vient de mourir, elle va quand même hériter d'un important héritage, tout ça, tout ça. Elle sait clairement que cet homme-là ne lui dit pas n'importe quoi. Et Holden, il faut savoir que c'est un homme vraiment assez mystérieux. Il parle pas pour rien dire. Et il faut savoir que cet homme-là connaissait le père de Ella. Se sent un peu comme redevable envers lui parce qu'il s'est passé ben, des choses en amont que vous allez découvrir dans le roman. Si vous le lisez un jour, il va décider de la prendre sous son aile et de la protéger durant toute cette période où Ella va être en cavale jusqu'à ben, justement que cette histoire se termine. Les médias se taisent, etc. Nous, ben, en tant que lecteurs, on peut se demander ben, qui en veut à sa vie. On peut se demander qui sont les suspects parce qu'au fil de l'histoire, on va nous dresser ben, différents types de profils où on se place aussi en tant qu'enquêteur par rapport à cette histoire là et ben qui veut tuer Ella quoi. J'ai énormément apprécié l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages parce qu'encore une fois, donc je sais pas si je voulais préciser mais c'est de la romance, moi et les histoires d'amour ça fait deux. C'est le livre où j'ai ben, laissé justement des petites annotations et tout. Attendez, je vais essayer de vous trouver un passage. Ok, et je vais vous lire ce passage là. Une heure s'était écoulée et Holden n'avait toujours pas trouvé les mots juste à dire à Ella à propos de ce qu'il y avait entre eux. Il le ressentait lui aussi, le courant qu'ils initiaient était fort, puissant et tout aussi dangereux qu'un fil électrique plongé dans l'eau. Ah là là, les romances et moi. J'ai beaucoup aimé aussi la personnalité de Ella parce que c'est une femme aussi qui a du caractère. Moi je trouve que c'est très important de pas... Putain, je peux couper. C'est quelqu'un qui a du tempérament et qui a du caractère. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut pas. Pareil pour Holden, c'est quelqu'un qui est vraiment très mystérieux mais en même temps très franc. Même si au début on a l'impression que c'est un personnage assez dangereux du fait qu'il soit un peu mystérieux, qu'il soit apparu comme ça en fait dans sa vie. C'est quand même un personnage aussi attachant au même niveau que Ella. J'ai une histoire. J'ai un background. Concernant ma lecture, le roman, il est hyper court. Le roman, c'est ça. Et ça passe super vite. Il est trop bien. Je le mets la note de 9 sur 10. Ensuite, on va passer au livre suivant. Donc, j'ai lu Frappe-toi le cœur de Amélie Nothomb. C'est un livre qui est comme ceci.
c'est pas justement le genre d'histoire que j'ai l'habitude de lire, parce que moi je suis une go archi des romances, des histoires d'amour et tout, mais ça m'a aussi fait un peu de bien de justement changer et pas rester simplement dans ma zone de confort à lire que des romances, que des romances. La thématique, je dirais le sujet fort de ce livre, c'est la jalousie. Frappe-toi le cœur, c'est l'histoire tout d'abord de Marie en 1971. Donc voilà, Marie c'est une femme qui a beaucoup d'assurance, qui aime être regardée, qui aime être enviée par les autres. Vraiment, elle se prend pas pour de la merde. Donc voilà, c'est une femme qui aime susciter l'attention des autres, surtout l'attention des hommes. Elle aime plaire et donc vraiment ce qui fait d'elle quelqu'un de extrêmement jalouse. C'est une femme, enfin sa jalousie vraiment ça dépasse l'entendement. Amélie Nothomb, elle a aussi une plume où dans ce roman là vraiment elle est super cash. On peut pas passer sur ce sujet là de la jalousie sans passer en fait par cette case obsession. Et tout va basculer lorsque Marie va tomber enceinte de sa première fille qui s'appelle Diane. Elle va remarquer petit à petit qu'elle ne sera plus le centre de l'attention et que toute l'attention est apportée à sa fille Diane, et tout bascule de là. Et dans la seconde partie du roman, on va suivre du coup sa fille Diane qui n'a pas été choyée par sa mère. On va aussi suivre sa petite vie à elle. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je trouve que parfois les sujets de la famille ou parfois les sentiments, tout ça, c'est quelque chose d'assez dur à décrire, et elle a su vraiment mettre des mots forts, pas pour autant choquant, dans des choses vraiment réelles qui peuvent vraiment se passer dans des familles et tout. Je trouve justement c'est un très 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 bon point dans ce roman d'aborder justement un sujet aussi aussi important. Être jaloux ou souvent susciter la jalousie, c'est un jeu dangereux, parce que je trouve qu'elle décrit super bien certaines situations assez difficiles et assez tabou. Je vous conseille vraiment aussi de lire ce livre là parce que vraiment c'est un livre qui m'a énormément touchée. D'ailleurs je suis un peu nostalgique aussi de l'avoir fini et tout. Il est trop bien, il est trop bien. Je sais pas si je vous ai donné envie de le lire, mais j'aime énormément. On va passer au dernier livre que j'ai lu, toujours de la collection Harlequin. Vraiment, les premières de couverture, ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc la première de couverture, elle ressemble à ça. À l'intérieur de ce livre, il y a 5 romances. J'ai accroché que dans 2. Parce que déjà, c'est un livre que j'ai acheté en brocante. En fait, je devais prendre un lot et je ne trouvais pas d'autres livres. Si j'avais lu les résumés des 5 histoires, je l'aurais pas pris. Je vais vous parler des 2 histoires que j'ai aimées. On va commencer par la première histoire, qui est Une déraisonnable attirance de Nancy Warren. C'est l'histoire en fait de Lucie qui, elle a des envies de mariage, elle a des envies de bébé, elle est prête à construire justement un foyer. C'est quelqu'un qui veut concrètement se poser en fait. Faut savoir que elle a pas de chance en amour, encore une fois, malgré que elle ne ferme pas les portes pour faire des rencontres, tout ça, mais sauf que ça se passe super mal. Elle a été catfish, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, elle avait rencontré quelqu'un sur internet qui s'est fait passer pour une autre personne. La personne se disait être comme ça, mais au final quand elle rencontre la personne, c'est du tout pas la même personne physiquement, même au niveau de la personnalité. Mais parfois elle essayait vraiment de passer outre et de connaître la personne pour ce qu'elle a à l'intérieur et à l'intérieur, mais ça marchait du tout pas. La petite Lucie là, elle a pas de chance. Lucie c'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, donc elle a posé ses congés, elle a pris son petit hôtel et elle va vadrouiller quoi. Et un jour elle va faire la rencontre de Sawyer. J'espère que j'ai pas bâclé son prénom parce que Miskina. Et elle va le rencontrer d'une manière assez cocasse, donc je vous en dis pas plus. Concernant Sawyer en fait, c'est le pilote du moment, c'est le pilote en vogue du moment. J'ai bien aimé aussi l'histoire parce que on a aussi un peu cet aspect course, automobile, tout ça, c'est dosé. C'est-à-dire que s'il y avait que ça, je n'aurais pas lu le livre. Et après, je trouve que la romance, elle est hyper courte. Il faut savoir que leur rencontre, c'est 7 chapitres et l'histoire dure 12 chapitres. Vous voyez, il n'y a pas vraiment un approfondissement des personnages ou même un approfondissement de la romance. Donc c'est une petite histoire d'amour comme ça, assez courte, mais j'ai beaucoup aimé. Ça prouve que, je sais pas, j'ai l'espoir en l'amour. J'ai l'espoir en l'amour quand j'ai lu ça. Ensuite, en dernier lieu, j'avais lu Conquise par un millionnaire de Sophie Weston. On dirait un truc Wattpad, mais je vous assure que c'est super bien.
D'ailleurs, c'est l'histoire que j'ai préférée du livre entier. Conquise par un millionnaire, en fait, c'est l'histoire de Molly qui travaille dans une agence de relations publiques. Donc voilà, c'est la best of the best de son domaine. Elle assure, tous les clients veulent se l'arracher parce que la go, elle gère, elle n'a pas votre time. Un jour, un fameux George va vouloir travailler avec elle pour un projet qui, je trouve, est super bien. D'ailleurs, je ne vous spoile pas parce que le projet, je trouve que c'est vraiment innovant. Et d'ailleurs, waouh, j'étais surprise et ça m'a beaucoup plu parce que justement, j'aime bien les histoires comme ça où on n'est pas que sur la romance, mais il y a aussi justement tout ce qui est autour aussi qui est super bien. Donc, George va vouloir s'arracher du coup les services de Molly. Et il faut savoir que Molly, c'est le type de client qu'elle fuit complètement. Elle ne veut du tout pas travailler avec lui. De fil en aiguille, voilà, il va se passer des choses. Ils vont travailler ensemble. Ce n'est pas un spoil parce que je regarde aussi le résumé. Ils le disent. Molly, c'est le genre de client qu'elle aime pas parce que vraiment, elle a beaucoup de stéréotypes et beaucoup de clichés sur les riches. Et du coup, George aussi, il essaye aussi de lui faire comprendre que parfois, même quand tu possèdes une fortune, tu restes quand même humain. C'est-à-dire que le mec, il a un cœur comme tout le monde. Et il veut vraiment aussi prouver à Molly que ce n'est pas parce qu'il est riche, qu'il a un statut assez important ou qu'il est dans une classe élevée, qu'il va se permettre d'être malhonnête, mal élevé, etc. En fait, ça le rend pas déshumanisant d'être riche et de vivre, voilà, de manière humble. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire par là. La romance dedans, elle est super. Moi, j'ai vraiment aimé la personnalité de Molly. Molly, en vrai, elle fait aussi sa dure, mais George, là, c'est quand même un beau gosse. Donc, elle est un peu comme ça, là. C'est pas pour autant que, justement, elle va mélanger professionnel et privé. J'ai beaucoup aimé aussi le background de Molly. Ma caméra s'est coupée, je sais pas pourquoi. Vraiment, conquise par un millionnaire, même si le titre, ça paraît un peu so what, pas tout ça. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà pour les livres que j'ai lus. Dites-moi si ça vous plaît que je vous parle de mes lectures et tout, parce que j'avais prévu de faire une vidéo sur ça, mais je suis un peu encore un peu timide. Et je trouve que je résume trop mal et je sais pas si je donne aux gens envie de lire des histoires ou d'acheter de la nourriture, mais je suis pas douée pour m'exprimer tout ça et pas vraiment douée pour résumer des livres, mais j'ai essayé de vous résumer en tout cas les derniers livres que j'ai lus. J'espère que ça vous a plu.